Bueno, continuamos con la sesión de esta tarde. No se vayan porque no hay pausa. Alors, on va continuer. Bon, moi, je dirais seulement quelques mots, mais j'ai l'honneur de vous présenter et de présenter Esther Shalev-Gertz. Et c'est un honneur pour nous aussi d'avoir Esther ici, à Barcelone, et parmi nous, pour la première fois avec l'Observatoire et dans ces colloques. Esther Shalev-Gertz nació en Vilnius, en Lituania, y después se trasladó con su familia en Jerusalén en 1957. Es diplomada por la Academia de Arte y Diseño de Jerusalén en 1979. Y después de casi dos años de estancia en Nueva York, a partir de 1984, vive y trabaja entre París y la isla de Cortés en Canadá. Esther Shalev no necesita demasiada presentación, pero es reconocida internacionalmente por sus contribuciones del arte en el espacio público y por su interrogación permanente y coherente sobre la construcción de la memoria, la historia, también el mundo natural, las democracias y identidades culturales. Sus instalaciones, monumentos, fotografía, vídeos, esculturas, un artista multidisciplinar, están relacionadas con este espacio público, la dimensión multifacética y poliédrica del espacio público, y son desarrolladas a través de un diálogo activo, una consultación y una negociación con las personas, donde la participación de sus memorias, de sus opiniones, de sus experiencias individuales, lo que se hablaba en la otra mesa, y también experiencias colectivas, son muy vivas, muy representadas y muy consideradas por su trabajo y por ella misma. Esther Shalev ha producido un trabajo que además registra y critica y contribuye a la comprensión de estos roles sociales y obviamente, como no puede ser de otra manera, pues al valor de la práctica artística. Ha recibido muchos premios internacionales, que sería aquí demasiado largo de destacar y de enumerarlos todos. Y muy interesante también su nueva y última instalación, que pienso que se va a inaugurar, se va a ver en 2018, l'année prochaine, ¿no? En Canadá, y que se llama La sombra, l'ombre, The Shadow, que es un trabajo que establece un diálogo entre la presencia y la ausencia, la cultura, la naturaleza, el pasado y el presente, y el potencial futuro, ¿no? Esta sombra que quizás es el monumento de la verticalidad, lo proyecta a la horizontalidad, y además me interesa mucho por los trabajos que tenemos también con el Ayuntamiento, pero desde el Máster de Memoria y Espacio Urbano, sobre la dedicación del espacio público, ¿no?, de los espacios urbanos, realmente a recuperar estas memorias. Merci beaucoup, Esther Shalev-Gertz. Je vous laisse la parole et la table pour établir votre dialogue très intéressant. Merci, merci. Merci beaucoup. Et merci pour l'invitation. J'aime bien Barcelone. Chaque fois que j'arrive ici, je suis invitée pour parler. Il y a toujours les bonnes surprises. Alors, on verra laquelle ça va être maintenant. D'abord, je vais, après avoir écouté hier, un peu hier et aujourd'hui, je veux dire une chose quand même. Personne nous apprend à parler. Et ça veut dire à l'école, on écrit, on lit, on écoute, ben on ne parle pas. Et si on parle, on est dehors. Et c'est quand même une chose étonnante qui encore aujourd'hui, c'est le cas.
Moi, je suis très sensible à cette chose parce que j'ai passé, comme vous l'avez su, plusieurs pays, plusieurs langues. Et mes rêves, c'est 100 langues. Alors, j'ai toujours une petite problématique par rapport à combien on veut et comment. On veut que les gens nous disent par les mots leurs sentiments et leur vécu corporel. Et ça m'interrogeait tout le temps, et je pense que beaucoup de mes œuvres, installations, et il surgit de cela. Je vais parler de quelques-unes. Je vais présenter rapidement une œuvre qui s'appelle « Les monuments contre le fascisme », qui était inaugurée en 86 en Allemagne. C'était la ville d'Hambourg qui a initié une compétition pour faire un monument contre le fascisme. Tous les monuments qu'on connaît sont pour quelque chose. Eux, ils voulaient un monument contre le fascisme. Et on était 6 artistes. Cette œuvre, j'ai conçue avec Jochen Gerz, qui était mon deuxième marine artiste allemand, et qui on a travaillé ensemble. Et les moments où j'étais invitée à participer à faire un monument, j'ai vécu à Jérusalem, qui est plein de monuments. Et en Lituanie, j'ai vécu avec, sous la occupation russe, qui est plein de monuments aussi. Et tous ces monuments ont donné envie qu'ils disparaissent quelque part. Et je disais, bon, si on fait un autre monument, ils doivent disparaître. Et des fois, ces idées qui nous surgissent et qui nous obligent à les écouter profondément, à les suivre, et on a décidé de réaliser ce monument. Et ça veut dire, on a été choisi, hein. Et c'était aussi très, très intéressant parce que c'était une construction assez intéressante. C'est une stèle de 12 mètres, 1 mètre par 1 mètre, couvert du plan, où les gens et les passants sont invités de signer leur nom contre le fascisme. Et chaque fois que la stèle est couverte des signatures, elle va être descendue dans la terre et ainsi de suite, en disant qu'un monument ne peut pas lutter contre le fascisme, c'est nous-mêmes qui devons le faire. Et le jour de vernissage, il y avait 600 personnes qui hurlaient, qui étaient très, très, très en colère. D'abord, ils disaient « c'est pas beau, il n'y a pas un lion qui saute ». Il n'y a pas le nom des victimes et c'est nous qui on doit signer. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est des fascistes? Et l'invitation a été écrite avec cette langue. Et en 86, on ne savait pas peut-être on va avoir les Russes qui vont les lire et d'autres gens. Et c'est cette langue que vous pouvez les lire. Et pour moi, ce moment qui était effrayant et surprenant était assez important parce que du coup, on a attendu des gens qui ne parlaient jamais. Ils parlaient de quelque chose, ils parlaient de fascisme, ils parlaient de participation, ils parlaient de monuments. Et pour moi, j'ai compris que ce n'est pas la matière comme matière qui va dès maintenant, mais vraiment poser des problématiques créatives, ben c'est la parole. Parce que la parole et comment la parole surgit et pourquoi elle surgit et pourquoi elle ne surgit pas, je pense qu'on est jusque le début de cette question et c'est aussi le matériel de mon époque. Je peux faire parler les peintures. C'est-à-dire à l'époque, on est assis là avec des choses muettes, on voulait savoir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Et c'est des fois, c'est ça qui m'a engagée dans créer des œuvres et, qui on va voir après. Bref, ce monument a eu cette descente et a
1983, elle était enfuie dans la terre. Aujourd'hui, on peut voir encore les sommets des monuments et la mémoire des gens qui participaient, à peu près 60 000 personnes. Et aussi, c'était l'époque, moi j'étais à Jérusalem et je n'étais pas encore en Allemagne comme on a décidé de faire cela. Moi je pensais, si en Israël on a Yad Vashem et tous les autres monuments, en Allemagne on va avoir 10 000 fois plus. Et en arrivant en Allemagne, il y avait un désert, il n'y avait même pas un monument. Et la question des monuments a commencé à 83, à 82, comme ce monument-là a disparu. Et quelque part, elle a fait obstacle et aussi une invitation de réfléchir à, je pense, à cette matière qui est aussi la terre. Et on voit aujourd'hui le monument à New York, elle parle aussi d'enfermement tout cet espace qui, normalement, elle est presque l'espace qui est non pensé. Qu'est-ce que je fais maintenant? OK. Après ce monument, on a fait un autre projet ensemble, Jochen et moi. À 82, il y avait un homme de théâtre qui voulait qu'on s'engage à faire quelque chose par rapport à Peter Weiss, l'instruction. Peter Weiss a écouté c'était à Francfort. Et il a écouté je ne suis pas sûre, je pense que c'était à Francfort maintenant. Voilà, c'est là. Et on a décidé, il a nous invité de faire quelque chose sur la place de théâtre. Et on a décidé justement d'inverser les rôles. Ça veut dire laisser la scène vide et demander aux acteurs à commander et demander le public à lire des passages de Peter Weiss. Peter Weiss a dit, moi, je n'ai pas écrit cela. Ça, c'était les témoins, les juges, les bourreaux qui donnent les jugements d'Auschwitz à parler. Alors moi, ça veut dire, moi, ça m'a inspiré justement cet effet-là en disant, moi, l'écrivain, je n'ai rien écrit. Et j'ai donné la parole à qu'est-ce que j'ai attendu. Et ça m'a inspiré énormément. Et j'ai décidé on a décidé qu'on va pas, on va prendre les acteurs. Avant cela, j'ai coupé toutes ces paroles-là. C'est les 11 chansons au rôle. Alors, il y avait des femmes ensemble, des hommes ensemble, tout le monde ensemble, et des personnes qui étaient invitées de lire. Et si c'était une partie d'un bourreau, il fallait monter sur la scène et les lire sur la scène, face au public. Et on a fait ça dans les trois grands théâtres à Berlin. C'était plein de gens. Et tous les tickets étaient vendus pour que les gens participent. Et je me souviens, j'étais en train de se balader pour voir de quoi ils parlent. Les gens étaient sidérés. Et l'année après encore, il me parlait de ces deux phrases qu'il devrait lire à haute voix. Et les hautes voix, pour moi, c'est une chose très importante. C'est là que les idées sont nées. Et ce n'est pas les petites choses qui nous baladent dans la tête, qui ont des idées, c'est que les choses qu'on dit face à quelqu'un. Et pour moi, cette pièce était troublante, parce qu'on a travaillé, on ne pourrait pas faire chaque pièce de théâtre, on fait les répétitions, là on ne pouvait pas, alors on avait des gens, 600 personnes qui étaient abonnés au théâtre, qui devraient chuchoter, parler, chanter, et faire tout. Je vais vous laisser écouter quelques...
Sie den Galgen gesehen haben. Et ça, c'est un passage où on a demandé toutes les questions des juges que les nouvelles venues, ça veut dire les immigrants, voulaient lire avec leur accent. Et ça va être diffusé comme une pièce sonore avant qu'ils rentrent dans le théâtre. Do you know what you are reading? Ein bisschen. Konnten Sie nicht auf andere Weise eingreifen? Mm-hmm. Ich mache da mal Pause. Konnten Sie? On a aussi mis dans les journaux les bouts de ces phrases avec des participants. Pendant un mois, il y avait apparition de ces carrés-là. Ça veut dire qu'on a essayé, il y avait dans la télévision, dans la radio, dans les journaux, dans tous les moyens de communication, quelque part, un bout de cette... voilà, dans la télévision, il y avait des gens très connus. Et là, c'était comment se déroulait. Bitte haben Sie es während Ihrer Aufführung zur Hand. Ich habe niemanden erschlagen. Ich hatte nur meine Vernehmungen durchzuführen. Manchmal waren es verschärfte Vernehmungen, die im Rahmen der bestehenden Verordnungen praktiziert wurden. Bei der Verstocktheit der Gefangenen half nur Gewalt zur Herbeiführung von Geständnissen. Nochmal bitte. Und jetzt bitte flüstern. L'autre, le projet suivant que je vais parler, ça doit être, j'étais à Jaspis en Suède et j'étais invitée à faire un projet pour le musée d'histoire. Et en arrivant en Suède, je me suis préparée, j'ai lu l'histoire de la Suède par tous les moyens possibles. J'ai demandé aux gens, alors les Lapons, les Samis, est-ce que vous êtes impressionnés par leur œuvre, par leur vie? Et tout le monde me disait, les Samis, les Lapons, ils habitent à Stockholm, il n'y a plus. Ça, c'est 2002. J'étais très surpris, j'ai demandé à monter un projet. Et pour cela, avec un assistant, on a... je voulais avoir la parole des dirigeants samis et suédois. Et on a trouvé 60 citations. Et la personne qui s'est déclarée vouloir participer à mon projet était Osa Sima. En arrivant dans son appartement, je l'ai demandé, je l'ai lu ces 60 petites phrases avec ma voix. Je ne la donnais pas à lire. Et la chose qui était absolument surprenante, c'est qu'elle m'a parlé de sa vie. Elle m'a complété ses visions politiques avec sa vie. Après qu'elle a terminé, deux jours après, on a pris l'avion pour Kiruna, et pour arriver où elle habite, où elle était née, à Karasuando, à côté de la Finlande, Suède. Et là, je l'ai demandé de trouver sa maison et se mettre confortablement où elle veut pour écouter qu'est-ce qu'elle m'a dit à Stockholm. Et je l'ai filmé pendant qu'elle écoute sa propre histoire. Something. I think I was very angry as a child, but then somehow
one of my weaknesses as a human is that I hide that anger. I should scream, I should shout, but somehow I don't do it. Maybe I don't dare to do it. I have this very strong memory of this rage just coming up as a child. I think I was about 10 years old, and there was not very much knives in my home because of us dealing with reindeers and meat and that kind of things. I remember I took this big knife and I just took it and I started to hit on the table. And I remember my father and my mother were trying to hold me back and pull my hands away. And it was just, I had to do it. I had to do it. And still today when I go to my father's house, I can see the marks on the table, and I remember at that moment. L'installation était comme ça, ça veut dire on avait deux projections, on était au milieu de son parole et son écoute. Pour moi, quelque part, c'est une construction. Normalement, on ne s'écoute pas. C'est vraiment, si on est une solitude totale, pour moi, c'est comme on commence à s'écouter soi-même. Normalement, c'est très étrange de s'écouter. Et cette œuvre a voyagé beaucoup. Elle était au Canada, aux États-Unis, en Suède. Et chaque pays, elle était interprétée par rapport à problèmes des paroles ou des problèmes d'état des aborigines dans différents pays. Les musées d'histoire suédois, ils possèdent 23 millions d'objets, et c'était interdit pour moi d'y aller les voir. Je ne savais pas pourquoi, et je demandais aux photographes de musée d'aller les photographier pour moi, et je les transformais, ces images, comme quoi ils ont été photographiés par une fenêtre un peu sale. Et ils ont été, comme vous voyez, font partie de l'installation. Ça, c'est les 60 citations qui étaient aussi visibles. Cette pièce de 2002 s'appelait Whiteout. Whiteout, ça veut dire qu'il donne une tempête de neige. Si on est dans cette position-là ou une position comme ça, on ne sait pas. Ça veut dire qu'on est perdu complètement par rapport à la Terre. But between telling and listening. Whiteout, between telling and listening. Et le projet, à 2005, j'étais demandé par la ville de Paris et les mémorials de la Shoah, avec deux autres artistes, donnaient la proposition comment on peut montrer, 50 ans après la libération des camps, 60 années après la libération des camps, les témoignages des survivants. Juste pour dire, pour moi, les survivants, c'est les gens plus que magiques. N'importe quel survivant, surtout les survivants de cette époque-là, parce qu'ils sont quand même survécu, ils ont une mémoire de leur vie avant, et pendant et après. Et aujourd'hui, ils nous parlent à présent, ils ne nous parlent pas. Et ça veut dire que cette chose qu'on demande d'eux, et pour moi, était toujours très bizarre, qu'on demande nous dire quelque chose. Évidemment qu'ils nous disent aujourd'hui, ça veut dire chaque aujourd'hui, et ils savaient que cette occasion d'être montré dans la mairie de Paris, au milieu de Paris, et pas dans les musées de la Shoah, qui normalement on va là-bas pour voir la Shoah, ça veut dire ça c'est un lieu qui est public, était pour eux une occasion, peut-être la dernière, de parler à haute voix. 60% de ces gens-là ne sont jamais parlés, pas à leur famille des fois, ou pas parlé du tout.
L'idée que j'avais été acceptée aussi par la ville de Paris, c'est les faire interviewer par quatre équipes où je demandais que les questions vont être posées par rapport à qu'est-ce que vous avez fait avant, pendant et après la guerre, et qu'il n'y a pas de montage. Ça veut dire on va écouter entre 2 et 9 heures. Et j'ai construit 2 positions. J'ai construit dans une grande salle, un peu plus grande qu'ici, avec une verrière. J'ai construit 6 positions dans 4 grandes tables où on a, ça c'est 2005, un lecteur DVD où on peut écouter, ça veut dire nous on est, c'est pas un film dans les noirs, c'est dans la journée, on peut se voir écouter. Et on est là en train d'écouter toute la longueur, si on veut, plus rapide ou non, ça veut dire on est vraiment les maîtres de notre écoute. Et j'ai fait aussi, j'ai sorti tous les moments de silence entre la question posée et la réponse. Et j'ai construit ces moments. Normalement, ces moments-là, ils sont jetés parce que ça prend trop de temps, trop de place. Et pour moi, c'était les moments où on doit décider, pour nous faire plaisir, et mettre ces choses-là dans cette boîte qui s'appelle les mots. Et pour nous délivrer quelque chose. Et moi, j'ai pensé, et c'était extraordinaire pour moi d'écouter les 60 témoignages pour accumuler et demander des fois aux journalistes, est-ce que vous pouvez arrêter de pousser ces témoins, parce que des fois, ils voulaient faire vite, hein, allez, et les laisser la place de monter des choses et pas des fois des gens qui sont déjà donnés les témoignages. Et j'ai construit ces deux, je vais vous donner à regarder ce montage. C'est le même film 3 fois avec 7 secondes de décalage. Ça, c'est le son à côté. Thank you.
l'installation, voilà l'installation à la mairie de Paris. On était dans cette énorme salle magnifique et les gens étaient toujours là. Il y avait toujours la queue pour prendre une place. Et pendant ces 2-3 mois, cette situation d'écoute était complètement utilisée. Il n'y avait jamais beaucoup de temps où un de ces postes était vide. Les jours de vernissage, il y avait un des participants qui est venu, qui a dit « Excuse-moi, je ne peux pas participer parce que je n'ai jamais dit à ma famille. » Ma famille n'était pas du tout au courant que j'étais là-bas. « Est-ce que je peux avoir mon DVD et partir ?» Et il a pris le DVD, il est parti. Et pour moi, quelque part, le cynisme de vouloir montrer 60 survivants pour 60 années et célébrer la libération était rompu et j'étais quelque part satisfaite parce qu'il y avait plus évidemment des survivants qui habitaient à Paris. Aujourd'hui on peut toujours écouter, c'est en français, et à la mémorial de la Shoah, on a tous les DVD, on peut toujours y aller. Moi, je continue à mes propres expositions dans différents endroits dans le monde, montrer l'installation avec les trois écrans. C'est la même année, deux ans avant, j'étais demandée par les Suédois de faire une œuvre 1%. Qu'est-ce que je voulais? Dans un nouveau bâtiment, dans un centre de recherche de first generation, c'est-à-dire dans un bon lieu de Stockholm, où il habite des gens qui sont venus de différents pays. Et après que j'ai fait une grande recherche, j'ai décidé à demander à ces gens-là pour créer une œuvre permanente en vidéo où je demande à participation des First Generation 4 questions. Qu'est-ce que vous avez trouvé, perdu, donné et reçu en venant s'installer ici? Ils ont été filmés après qu'ils ont déjà répondu. Ils ont été en train d'écouter leur propre réponse à cette question. Je vais vous montrer d'abord ça et je vais expliquer après comment on a construit la séparation entre leurs paroles et leur image. Alors, on est dans une banlieue de Stockholm, et c'est un assez grand banlieue. Et il y avait plusieurs conditions pour moi. D'abord, l'œuvre permanente, qu'est-ce que c'est permanent? On avait un contrat. Chaque 5 ans, il fallait qu'on se demande tous les deux, les centres de recherche et moi, si on veut continuer à exercer cette œuvre. Et jusqu'à maintenant, ils sont encore là. Ça a été en 2004. Et pour moi, c'était très important parce que la question de permanence est toujours assez troublante pour moi. Et l'autre chose, il y avait deux supports. Il y avait support visuel, 40 minutes, et support de son, des 60 minutes. Ça veut dire qu'en aucun cas, on pourrait savoir qui a dit quoi. Et j'ai découpé tous les témoignages et réponses par rapport au j'ai perdu ça. Tous les perdus étaient là pour juste montrer comment ces personnes ils sont différents un de l'autre et comment cette différence montre la dramatisation de leur état. Et l'installation était, ça veut dire, sur la surface des verrières, la projection était qu'est dans la nuit, ça veut dire qu'elle n'était pas en permanence,
chaque fois qu'on avait la lumière baissée, on pourrait voir l'image. Et la façon qu'il s'était filmé, j'ai filmé, il écoute, ben, ils sont aussi filmés sans qu'on sait. Il n'y a pas une question d'identité. C'est un balayage très près de leur écoute. Et ça, c'est l'installation. On est à l'intérieur, on voit la même image à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ben, on peut aussi écouter les paroles. Et le moment d'installation, ils m'ont demandé au centre et où on va mettre les questions. Et j'ai décidé, j'ai demandé si vous voulez des questions, je vais les graver sur les marches et comme ça votre centre va être taché avec ce travail. Ça continue. Voilà, là on peut voir comme on descend pour, sur les bancs pour s'asseoir. Il y a les quatre questions qui sont gravées aujourd'hui pour toujours dans les marches des centres. Parler de ça. Non. Je peux parler plein de choses, mais j'ai envie de parler. Oui, voilà. Alors. Oui. À ce moment-là, il y a le Gold Room, c'est une nouvelle installation que j'ai créée pour, encore une fois, pour le musée d'histoire, 12 ans après, ou plus 15 ans après. Et il y avait un endroit qui m'a énervé énormément dans le musée, s'appelait le Gold Room. C'était un genre où on a déposé dans le musée tous les objets d'or qui étaient ramenés par les soi-disant vikings.
Et il n'y avait pas beaucoup, la provenance n'était pas claire, rien n'était très clair, sauf que les gens pourraient rentrer dans un lieu un peu sombre et bien gardé pour voir l'objet d'or. Et il l'appelait la chambre Gold Room, qui pour moi c'était une aberration, parce que gold, ça veut dire le métal de quelque chose, n'est pas significatif. Au fond, c'était, l'objet était magnifique. Et c'était plutôt the culture room, parce que c'était des objets, des cultures différentes dans le monde. Ça montrait quelque part la passion des Nordiques d'amener tous ces objets et témoignant de leur voyage. Et c'était une réponse à Borges qui disait, ah, ces Nordiques, ils sont bizarres. Ils ont été partout avant Columbus, partout. Ils ne sont jamais pris des pays, quoi. Et je voulais toujours les répondre, et ma réponse c'est voilà, ils ont amené les objets culturels. Et j'ai demandé aux historiens de ce musée choisir un objet et me parler de ces objets, et parce que j'ai un grand problème avec les scientifiques qui c'est interdit pour eux d'imaginer, justement. Et Tous les succès dans les sciences sont toujours un mistake, quelque chose qui était hors de commun. Et nous, les artistes, on doit toujours imaginer des liens qui sont toujours différents. Alors là, je pourrais parler de ça. J'ai demandé aussi aux 5 personnes qui sont trouvées refuge en Suède, là, me donner un objet pour mettre parmi les objets de Gold Room et me parler pourquoi cet objet est arrivé ici et comment. Je vais vous donner, écoutez, un petit bout. My story is about and my mother as well, because they don't have money, just they have some gold from the marriage of them. And my little sister, she writes something for Santa Claus to send me this gift to, because my father is Santa Claus. And in the last, they take all the money, and my father he take it and to give to me something. It was really like nothing. It's maybe it will be like half cross or something. So my father, he put like double from him and from the Santa Claus as well. And they make it for me by just by name. It's like my really family here now. And he say to me, this when you are really in the problem, you are really bad situation, and you need money, just sell it and just take this to help you, because we are support you, we are with you, and just we are really here with you, except maybe we cannot contact you maybe, but we are here. And after that I left Syria with sadness. It was really the most sad moment. Never I forget that moment. It was the last time I say bye for my father. But I didn't never I know that. I run away for many places actually. Turkish, to be like animal without any freedom, and after that to Greece to meet this police, and was really sad. And after that I'm went to France actually, and the last come to Sweden. I had really bad situation all the whole way.
Sometimes I don't have food. Sometimes I don't have any energy. Sometimes I don't have money to have ticket for bus or something like that. But I still keep this one. I am survived to keep it. Until now, if I die, I don't want to lose it. It's not just gold for me. It's more than gold. More than like part of me. I cannot move without this. The gold is not just the gold, and the cross is not just the cross. Here we are really family. We are really hearts. We are really many people here inside. And not just gold or something else. The meaning is lost to us, but I would like to see this color as an object of memory, a memory object. Voilà, je vais le faire plus rapidement. On peut dire. Oui, Marina, tu nous dis il faut qu'on quitte les lieux à 7 heures, c'est ça? Ah ouais. On a 10 minutes. Même bon, pas. Alors on peut parler. Bon. Ah, alors à toi. Non, on a même plus envie de parler hein, après en écoutant des témoignages comme ça. Je vais juste mettre cette œuvre qui j'ai. Oui. The tree, oui. Moi, ce qui m'a toujours frappé, et je dois dire que c'est vraiment grâce à Barcelone. Et grâce à Marina et tous les autres, qu'on a enfin fait connaissance. Et c'est une très, très belle... Ça, c'est les belles surprises de Barcelone dont tu parlais. On est presque voisins, mais... Ouais, à Paris. Voilà, à Paris. Et en même temps, les travaux que je connais m'ont toujours procuré une très grande émotion. Notamment cette expo dont tu as parlé, l'expo à la ville de Paris. Parce que ce qui m'avait frappé, c'est que, il me semble que c'est un principe qui caractérise tout ton travail. Il y a d'une part une contrainte très grande qui est de l'ordre de la forme, hein, vraiment une espèce d'imposition, parfois même violente, de la forme. Et en même temps, une immense liberté que tu donnes aux personnes qui interviennent dans tes œuvres. Voilà, c'est ces deux choses-là qui me semblent vraiment être un élément récurrent. Tu donnes beaucoup. Tu vas vers des gens auxquels tu donnes beaucoup. Là, tu n'as pas parlé de certains de tes travaux, mais où tu dis, où tu laisses aux intervenants, aux témoins, aux acteurs, le choix de choisir un endroit, un lieu où ils souhaitent s'installer, à partir duquel ils souhaitent parler. Évidemment, tu n'interviens pas dans ce qu'ils ont à dire, etc. etc. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Redonner la parole, tu as commencé par ça, tu as parlé de cet élément presque pédagogique, d'une école. On aurait besoin d'une école pour apprendre à parler, Oui. Et certainement pas une parole... alors aujourd'hui, on ne fait que ça. Hein. Il y a des cours de rhétorique partout. Enfin, c'est évidemment pas de ça que tu veux parler. Moi, mes étudiants, ils sont impressionnants. Ils savent parler, ils savent présenter. On est toujours là. Mais voilà, c'est évidemment pas de ça que tu veux parler. C'est une parole qui fait émerger autre chose, qui fait émerger quelque chose d'inattendu, quelque chose d'imprévu, quelque chose qui affleure. Voilà. Et il me semble que là aussi, encore une fois, c'est vrai que l'absence est très présente dans ton travail, une présence de l'absence, mais plus encore que l'absence, il me semble que tu es intéressé dans les événements où l'absence affleure. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de l'ordre, c'est toujours à fleur de peau, tu vois, il y a quelque chose qui manque, mais ce manque n'est pas sanctuarisé, il n'est pas symbolisé, il n'est pas monumentalisé, il n'y a jamais un trou béant, il n'y a jamais une espèce de monument qui est érigé à l'absence. C'est toujours en marge, c'est des petites choses, c'est des failles, c'est les blancs, c'est les interruptions, les suspens, les incises, etc. Et voilà. Et c'est comme si tu avais envie, non pas d'être dans une espèce de, certainement pas dans le déni de l'absence, mais pas non plus dans le mouvement contraire qui serait, on va construire un monument pour l'absence, comme
l'Allemagne pouvait être tentée de le faire à un certain moment, elle ne l'a pas fait. Hein, donc il y aurait des choses à dire là-dessus aussi, contrairement peut-être à d'autres cultures de l'absence dans d'autres pays. Pour moi, c'est très important d'avoir la place pour les spectateurs. Voilà. Ça veut dire que chaque travail n'est pas terminé. Quelque part, quelques années après, je dis, je pourrais le terminer. Ouais. Je laisse cette chose non terminée, voilà. Presque voulue. Ouais. Parce qu'on ne peut pas terminer une chose. Tu as dit quelque chose de très, très beau tout à l'heure. Tu as dit que la permanence t'angoisse. Hein, la permanence, c'est quelque chose qui est assez... En tout cas, tu as dit que c'est assez troublant pour toi. Et c'est intéressant, tu vois, quelqu'un qui... Tu as parlé de ce destin comme ça, de transition, de passage. Les migrants sont très présents dans ton travail, notamment de ces dernières années. Et en même temps, encore plus... En 1997, j'ai fait la première à Aubervilliers. Oui. Voilà, au laboratoire Aubervilliers. Et en même temps, encore plus angoissant que cette espèce de déplacement forcé, ça serait la permanence pour toi. Hein. Il y a une espèce de peur de fermer, de peur de s'arrêter, de s'installer de façon un peu trop définitive dans une terre choisie ou élue ou promise ou en tout cas qui serait le paradis annoncé. Alors voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que de donner la parole? Parce que c'est par là que tu as commencé. Tu as dit il faut apprendre à parler. Et personne ne nous apprend à parler. Et ça veut dire quoi? Restituer la parole à ceux qui sont là et qui ne l'ont pas encore prise. Restituer la parole à ceux qui ne sont plus là et dont on n'entend plus la voix. Parce que c'est aussi ce genre de travail, il me semble, que tu fais. Et sans que ce soit une parole de substitution, parce qu'on a parlé de représentation tout à l'heure, il y a aussi un problème qui est de parler par procuration, hein, le parler pour, oui. C'est toujours une façon aussi de faire taire. Voilà. Comment est-ce que tu mets en place cet acte éthique qui est de donner une parole aux personnes que tu rencontres? Pour moi, c'est aussi ouvrir une certaine écoute. Parce que si on ne sait pas parler, on ne peut pas écouter. Parce qu'il y a la façon qui, moi, je parle normalement, c'est par rapport à l'écoute. Si les gens vont arrêter d'écouter, je vais arrêter de parler peu à peu. Ça m'a déjà arrivé. Et je donne confiance à l'écoute. Je prépare tout ça et après, je ne lis pas. Et... Parce que finalement, vous lisez toujours, parce que cette peur de ne pas dire tout ce qu'on a à dire, ou qu'on veut dire, ça dépend de l'écoute, des fois aussi. Et quelque part, je laisse aussi ça comme un champ ouvert et libre. Je ne sais pas si je dis qu'est-ce que je dis. c'est au moins vouloir dire qu'il y a une connexion entre la parole et l'écoute. Je ne sais pas trop si je suis... Je pense qu'on est plus maître du temps, là. Je ne sais pas, il faut quelqu'un qui arrête la lumière, alors. Oui, c'est la fin, je crois que l'équipe de balayage va passer. Excellent. Mais c'est toi qui dois gérer. C'est nous, on ne gère pas. Donc, si quelqu'un a envie de poser une question comme ça, c'est peut-être une réflexion, c'est peut-être le moment. Je suis désolée de devoir couper comme ça, mais c'est qu'il y a un cours de personnes qui attendent dehors. Donc, si quelqu'un a envie de faire un commentaire, un dernier, et sinon, pour continuer la discussion ailleurs ou le soir à la filmothèque. Voilà. Je ne sais pas si algú té ganes de fer alguna reflexió abans que ho deixem, de fer alguna pregunta a l'Esther. Ho deixem aquí, alors on le laisse ici, on peut continuer peut-être dehors ou dans un autre espace. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux.